Francine Muyumba quitte son poste de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour son mandat de sénatrice. Elle a été élue une première fois en novembre 2014, puis un second mandat en décembre 2017. La nouvelle a été annoncée jeudi à Kinshasa à l'issue d'une réunion entre le ministre en charge des Affaires étrangères et le comité exécutif de l'UPJ. Il est également question, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, d'exercer pour moi pleinement mon mandat de sénatrice conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Je suis donc obligée de prendre congé de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je vous annonce donc ce jour ma démission au poste de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, confiante dans la capacité du comité exécutif actuel de mener à bon port nos idéaux. Cet au revoir n'est pas un adieu. Mon cœur continuera de battre à côté de vôtre. Nous osons croire qu'en dépit de sa démission, elle restera toujours disponible pour la jeunesse africaine de l'ensemble de nos États et ne cessera d'accompagner la jeunesse congolaise en particulier. Pour avoir brillamment réussi son double mandat, l'ambassadeur Francine Muyumba a pu compter sur le soutien des conseils nationaux de la jeunesse et sur l'appui de tous les États membres de l'Union africaine que je remercie très vivement ici.